Bonjour à chacun et chacune. Édition spéciale Noël. Un conte inattendu, sourdingue. C'est l'histoire de Soline, 13 ans, habitant en pleine campagne auvergnate. Elle est sourde de naissance et communique en langue des signes. Enfin, quand elle peut, puisque ses parents sont entendants et ne jurent que par l'oral. Oh, parfois elle signe, mais avec des animaux, des oiseaux, parce que eux seuls la comprennent. Le soir de Noël, alors qu'elle attend ses parents, la neige tombe sur la route, jusqu'à devienne invisible. Puis le feu s'éteint, faute de bûche. Faute de réseau téléphonique, elle ne peut pas recevoir et ni envoyer de texto. Mais une grande peur s'installe en elle. Elle regarde l'horizon. Rien. Noir complet. Mais n'écoutant que son cœur, elle va chercher du bois dans le garage. Puis elle revient, remet des bûches dans la cheminée. Enfin, la chaleur revient. Mais, soudain, la lumière s'éteint. Tâtonnant dans le noir, perdant l'équilibre par moment, elle se cogne, tombe, trébuche, mais se relève à chaque fois. Elle arrive enfin à saisir des bougies dans le tiroir. Elle craque une allumette. Elle met des bougies partout. Soudain, elle sent un courant d'air glacial. Elle se retourne et voit une ombre s'approcher d'elle. Un bras se lève comme s'il voulait la frapper. Soline s'accroupit en mettant ses bras sur sa tête. Mais une main la redresse en douceur. Et la lumière des bougies éclaire le visage de son père. Ne lui parle pas. Mais il lui fait des signes. T'es vrai. En langue des signes française pour la première fois. Une grande joie s'empare d'elle. Un vrai cadeau de Noël. Car elle est désespérée de ne pas voir ses parents communiquer avec elle. En LSF. C'est ainsi que Soline peut vivre un Noël autrement. Comme quoi. Il ne faut jamais baisser les bras. Toi qui vas passer Noël, prends les dispositions pour communiquer plus facilement. Ose en parler, échanger, avec les moyens que tu peux avoir. Avec l'application Ava. Ou bien Roger Voice si tu veux téléphoner. Je te souhaite vraiment de passer d'excellentes fêtes. Tu as aimé cette vidéo ? Alors n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à cliquer sur j'aime, à partager autour de toi et à t'abonner. Bonjour à chacun et chacune. Édition... Bah non, pourquoi tu regardes? Ça sert à rien là.